Tu es jeune et branché. Écoute la radio Sabo, la radio du Sukomoé. Radio Sabo, la première web radio du Sukomoé. Vous écoutez Radio Sabo, les 96.3 MHz. Radio Sabo, le top des émissions, le top de l'info. Loom City. Loom City, un voyage au cœur du gospel urbain. Moi je veux aller au ciel. Loom City, une production de Mr. Joy pour un temps dans la présence de Dieu. Loom City, c'est tous les vendredis de 14h à 15h sur Radio Sabo 96.3 FM. Loom City, la cité du gospel urbain. Citoyens et citoyennes du Royaume, salut à vous, bonjour et bon après-midi sur les ondes de la 96.3 FM. Vous faites bien de choisir la meilleure des radios et la première web radio du Sud Comoé. Je suis Mr. Joy et l'émission c'est Loom City. Et bienvenue à Loom City, votre émission de la mi-journée, tous les vendredis de 14h à 15h dans le palais du gospel urbain. Je suis très fier de conduire cette émission en ce moment précis, même si, voilà, peut-être on aura des invités, ça c'est sûr, ils viendront tout à l'heure. Mais pour l'instant, on vous permet de mieux vous installer parce que la Loom City, c'est également la cité de cette Loom, entendez pas là, toutes ces personnes qui nous écoutent, qui font du gospel urbain, qui font de la musique urbaine gospel, du rap gospel, du slam gospel, un peu de tout, quoi, et c'est ça. Et ici, on parle plus Jésus, on proclame Jésus et on annonce Jésus. Allons-y avec ce groupe qui était l'invité de Loom City le vendredi dernier. Allons-y avec la nouvelle chanson. Le titre, c'est « Dis-moi » pour ouvrir cette émission. Let's go. Dis-moi. Attends, y'a te parler. Attends, y'a te comment que. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Jésus, celui qui est si grand que. He's the one who blesses, yeah. The one who gives you life. He is the one who has even the cross sacrifice for nonsense. Quand tu te lèves le matin, est-ce que tu pries, dis-moi. Tu vas voir, tu reviens, c'est une sauce. Si c'est pas lui qui fait ça, dis-moi. De toute façon, ça m'énerve. Quand je vois les gens qui disent que Jésus c'est un fake, il n'existe pas. Dis-moi comment que gros. T'es là, tu fais les petits seulement. Jésus dit rien, il te regarde, rien n'est oh, dis-moi, ce que mon Dieu n'a pas fait pour toi, mon frère. Oh, dis-moi, ce que mon Dieu n'a pas fait pour toi, ma soeur. Oh, oh, dis-moi, 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 oh, dis-moi. Oh, dis-moi, 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 oh, dis-moi. Oh, dis-moi, ce que mon Dieu n'a pas fait pour toi, mon frère. Oh, dis-moi, ce que mon Dieu n'a pas fait pour toi, ma soeur. Oh, dis-moi, 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 oh, dis-moi. Oh, dis-moi, 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 oh, dis-moi. Petit choco, j'ai fini à l'ego. La vie des débauches, j'étais champion. Mais Jésus est rentré dans ma vie comme une tempête. Il a changé mon cœur en cœur de chien. Fais des jocos, j'ai fini à l'ego. La vie des débauches, j'étais champion. Mais Jésus est rentré dans ma vie comme une tempête. Il a changé mon cœur en cœur de chien. Quand on t'a trahi, qui t'a soutenu? Tout le monde peut te rejeter. Mais Jésus-Christ établi. Même si j'ai pas de soutien, Jésus-Christ est mon styliste. Ne sois pas hypocrite, dis où il faut, c'est Dieu qui bénit, ouais, dis où il faut, c'est Dieu qui bénit.
c'est Dieu qui bénit. Oh dis-moi, ce que mon Dieu n'a pas fait pour toi, mon frère. Oh dis-moi, ce que mon Dieu n'a pas fait pour toi, ma soeur. Oh, oh dis-moi, 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 oh dis-moi. Oh dis-moi, 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 oh dis-moi. Oh dis-moi, ce que mon Dieu n'a pas fait pour toi, mon frère. Oh dis-moi, ce que mon Dieu n'a pas fait pour toi, ma soeur. Oh dis-moi, 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 oh dis-moi. Oh dis-moi, 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 oh dis-moi. Dougou, 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 tégué, 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 tégué. Dougou, 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 tégué, 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 tégué. Dougou, 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 tégué, tégué, tégué. Radio Sabo, Radio Sabo, la première web radio du Sud Comoé. God is good music pour commencer cette émission, pour commencer cette émission dédiée spécialement au gospel urbain. Cette émission qui fait la promotion de la musique gospel urbaine, mais également qui transmet le message du royaume à toutes ces personnes qui sont connectées d'ici et d'ailleurs. Et je pense déjà à tous mes amis qui nous écoutent depuis Abidjan, depuis Bangolo, en la personne de Patricia Koudou, de Elodie et sans oublier Lorraine. Salutations à vous également, chers condisciples du royaume. Nous allons maintenant ouvrir cette émission avec la toute première rubrique intitulée l'ouverture de la city. Alors je rappelle simplement le contexte. Il s'agira de jouer des titres et on fera pourquoi pas quelques résumés, quelques discussions autour de cette musique pour vous permettre de mieux comprendre comment cette musique ou que veut dire, quel est le message que ce titre ou ces titres nous transmettent. Et donc, allons-y pour l'ouverture de la city. Ouverture de la city. Première sonorité de l'ouverture de la city, il s'agit bien évidemment de notre jeune talentueuse. Elle se nomme Darla Golden Goal. Golden Goal qui parle de but en or. Et le titre, c'est Paradox. On a plusieurs fois entendu ce titre ou cette chanson dans nos vidéos TikTok, pourquoi pas, et même d'autres vidéos, mais cette fois-ci, on vous permet d'écouter cette musique en direct sur les ondes de la 96.3 FM. Elle nous parle de paradoxe. C'est quoi le paradoxe? Allons-y, écoutons ensemble. Merci de choisir Bloom City. Let's go. C'est Darla Golden Goal. Des fois je me regarde et je vois la grâce de Dieu. Certains m'observent et ils voient la trace des cieux. Des fois je suis seule, mais je sens sa main sur moi. D'autres fois je pleure, je lui dis papa rassure-moi. J'ai besoin de toi, me laisse pas, je t'en prie reste avec moi. Si t'es pas là, comment je vais faire pour tenir face à ça? T'es mon modèle, t'es mon appui, celui sur qui je me repose. Le premier, le dernier de ma vie, chez qui la vie me dépose. Des fois je me regarde et je vois la grâce de Dieu. Certains m'observent et ils voient la trace des cieux. Des fois je suis seule, mais je sens sa main sur moi. D'autres fois je pleure, je lui dis papa rassure-moi. Et peut-être qu'un jour je manierai les mots comme Big G. Peut-être qu'un jour je raisonnerai le monde comme White B. En attendant je me dois simplement d'être à l'aise, de transmettre tout ce que j'apprends un peu comme KS. Et tant de fois j'ai voulu te confier mes peurs, mes lèvres ne suivent pas, je t'en supplie écoute mon cœur. Seigneur je t'en prie ne fais pas de moi la personne que je rêve d'être.
Fais-moi celle que je n'aurais jamais osé rêver être. Je veux être exceptionnelle, être une personne unique. Mais je veux pas qu'au prix du royaume ma vie soit féerique. Je préfère qu'on m'appelle lambda pour ensuite être sauvée. Ce sera pas la première fois que tu me tires du noir pour me révéler. Des fois je me regarde et je vois la grâce de Dieu. Certains m'observent et ils voient la trace des cieux. Des fois je suis seule, mais je sens sa main sur moi. D'autres fois je pleure, je lui dis papa rassure-moi. Des fois je me regarde et je vois la grâce de Dieu. Certains m'observent et ils voient la trace des cieux. Des fois je suis seule, mais je sens sa main sur moi. D'autres fois je pleure, je lui dis papa rassure-moi. Papa rassure-moi, 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 papa rassure-moi. Et effectivement, vous avez compris, le paradoxe, c'est que beaucoup de personnes, lorsqu'ils nous voient, ils nous voient seulement avec plusieurs facettes de personnes qui rayonnent, qui brillent, qui ont aussi ce fardeau l'aspect glorieux sur notre personne. Mais en vrai, c'est que nous avons tous besoin de marcher dans les voies du Seigneur et nous avons besoin de Seigneur. Nous avons besoin de lui pour avancer, nous avons besoin de lui pour pouvoir nous installer. Et donc elle dit que deux fois, lorsqu'on la regarde, on voit plutôt la grâce, tout ça, mais toi tu vois autrement. Et oui, le Seigneur voit autrement, le Seigneur te voit autrement, différemment que même les hommes pourraient te voir et que même les hommes pourraient penser te voir ou même penser maîtriser te voir. Et donc ne paie pas espoir, ne pense pas que pour toi est fini, ne pense pas que c'est impossible pour toi de pouvoir avoir la grâce de Dieu sur ta vie. Il est là, cette grâce est disponible également et Dieu est là pour toi, il est là pour t'accorder ce privilège là. Donc ne sois pas triste, n'aie pas peur, n'aie pas de tristesse dans ton cœur. Pourquoi je le dis? Parce que Il est capable de te restaurer, il est capable de t'amener dans une bonne dimension, dans une bonne direction et même de t'amener encore très loin dans cette marche et dans cette avancée. Continuons cette émission, chers auditeurs, avec l'autre titre de cette journée, de cette ouverture. Il s'agit bien évidemment de Christa Marguerite. Christa Marguerite qui nous chante « Lis ta Bible ». Elle nous dit simplement que tout se trouve dans la Bible, il n'y a rien dehors. Y a rien dehors. En Afrique, on m'a dit, faut pas sortir le soir, faut pas se lever le soir, et de chercher dehors. Et si je deviens stérile, c'est à cause de ma magie noire, et je m'en sortirai pas, même si j'appelle Jésus. Mais la parole me dit que si je marche avec Dieu, si je marche avec Jésus, que je n'ai rien à craindre. Et la parole me dit que je suis né féconde, et que dans tous les cas, je connais le Dieu de la guérison. Mais le monde périt par manque de connaissance. Si tu veux grandir, si tu veux grandir.
veux grandir, si tu veux Et si tu veux grandir, il faut lire ta Bible. Il faut lire ta Bible. Et donc, chers auditeurs, vous avez capté le message. Vous avez reçu le message transféré par Christa Marguerite. Parce que la Bible contient le message complet. Et la parole de Dieu contient beaucoup de choses, beaucoup de secrets que nous, les hommes, nous ne saurons percer. Mais ces secrets-là feront de nous des personnes très fortes. Et si nous la méditons, nous la lisons chaque jour, chaque moment, chaque instant, il faut donc lire ta Bible pour toi qui es converti et pour toi qui ne connais pas le Jésus. Il faut également peut-être approcher quelqu'un qui le connaît. Il te permettra au travers de la lecture de la parole, pourquoi pas, de le rencontrer, de le connaître et aussi ouvrir ton cœur. Ne rentre pas juste pour connaître et ressortir, non, mais aie cette curiosité d'un cœur ouvert pour pouvoir accepter le Jésus que nous prêchons, le Jésus que nous chantons et le Jésus que nous adorons. Et donc, voici juste le message. Et donc, si tu veux grandir, il faut lire ta Bible. Mais en même temps aussi, il faut permettre à son cœur d'être disposé. Il est vrai que nous voulons grandir, il est vrai que nous voulons avancer, il est vrai que nous voulons permettre au Seigneur d'en tirer gloire dans notre vie. Mais en même temps, il faut aussi comprendre que, en plus de le faire, il faut que notre cœur soit disposé, il faut que notre cœur soit proche du Seigneur. Et ce cœur-là, Shaddai Ndombas, en featuring David Okit, nous le disent, la lettre, c'est le cœur. Écoutons ensemble. Je marche et les gens me regardent de travers. Je ne sais pas si mon passé me colle à la peau. Non, c'est, je ne sais pas. I don't know, yeah, yeah, yeah. Sur cette même route, cette fois, j'ai croisé Jésus-Christ, mon enfant. Moi, je t'aime, ton passé est effacé. Est effacé, nouvelle créature. Le Saint-Esprit qui se révèle à moi. Il m'a délivré, m'a sauvé de la mort. Il m'a pris tel que je suis malgré mes torts. Jésus regarde le cœur, oui, Jésus regarde le cœur. Mon physique, c'est l'enveloppe, oui, la lettre, c'est le cœur. C'est le cœur, la lettre, c'est le cœur. Oui, Jésus regarde le cœur. Mon physique, c'est l'enveloppe. Oui, la lettre, c'est le cœur. Mon cœur, c'est la lettre. Et lorsqu'ils me voient, les gens ne me parlent que de la façon dont je me suis habillé. De comment j'ai coupé mes cheveux. Mon corazón est dédié à celui qui me donne de pouvoir respirer. Oh oui, la lettre, c'est mon regard. Ne fais pas de moi ce que je suis, tu vois ce qu'ils ne voient pas. Donne-moi la force d'encaisser les coups, marcher en suivant tes pas. Ta gloire est venue me visiter à l'époque où je suis tombé bien bas. Mon cœur est une lettre qui n'est destinée qu'à toi. J'ai le Saint-Esprit qui se révèle à moi. Il m'a délivré, m'a sauvé de la mort. Il m'a pris tel que je suis malgré mes torts. Jésus regarde le cœur, oui, Jésus regarde le cœur. Mon physique, c'est l'enveloppe, oui, la lettre, c'est le cœur. C'est le cœur, la lettre, c'est le cœur. Jésus regarde le cœur, oui, Jésus regarde le cœur. Mon physique, c'est l'enveloppe, oui, la lettre, c'est le cœur. Mon cœur, c'est la lettre. C'est dans mon corps qu'il veut résider. Je donne accès au Saint-Esprit d'habiter en moi. Quand l'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde si dans mon cœur il est précieux. Ils sont de mon cœur, ils sont de mes reins, et il sait tout de moi. Jésus regarde le cœur, oui, Jésus regarde le cœur. Mon physique, c'est l'enveloppe, oui, la lettre, c'est le cœur.
c'est le cœur, la lettre c'est le cœur. Jésus regarde le cœur, oui Jésus regarde le cœur. Mon physique c'est l'enveloppe, oui la lettre c'est le cœur. Mon cœur c'est la lettre. Message bien capté, message bien compris. Alors, Jésus regarde le cœur, Jésus regarde notre cœur. C'est vrai que il faudrait que notre apparence puisse aussi le glorifier. Oui, il faudrait pas que, mais il faudrait même que notre apparence puisse le glorifier. Mais également, il regarde aussi à notre cœur. Et donc, voilà, acceptons de pouvoir approcher ces personnes-là, même si on constate que l'extérieur n'est pas aussi agréable, approchons ces personnes-là et permettons à cette personne-là de comprendre que le cœur aussi a sa place, le cœur a ses raisons, le cœur aussi est très très importante et donc est très important plutôt. Et donc, chers auditeurs, voici pour vous le message de Shaday en featuring David Okit qui nous parle de cœur. Voici un autre, lui il nous parle de l'arrivée et certainement c'est notre marche avec Dieu. Il veut parler puisque lui aussi on l'a connu sous d'autres sonorités, mais cette fois-ci il a décidé de donner sa vie à Christ parce que c'est l'important, c'est le nécessaire et c'est le geste primordial à le faire, à faire d'ailleurs. Et donc voici pour vous Neri qui nous chante Arriver. Allons-y. Non, j'ai plus fait le dangereux. Avec Yahweh, je suis rentré dans le jeu. Je vais te parler de mon Dieu et non plus de ces choses du monde. Et mon Jésus à moi n'est pas dangereux. Il t'écarte du danger. Jésus est le bon Dieu. À lui, je me suis rangé. Ah, faut pas céder à la temptation. Faut pas céder à la temptation. Le méchant veut que ta joie s'en aille. Relève-toi, Jésus t'a sauvé. Faut pas céder à la temptation. Faut pas céder à la temptation. Ne me laisse pas seul, oh papa. Pour toi, je ne veux plus pécher. Ce monde m'a sali, m'accepterais-tu, papa? La parole a dit que je suis sauvé. Mais au fond, vais-je y arriver? Et ce monde m'a sali, m'accepterais-tu, papa? Oui, c'est toi qui m'as élevé. Mais au fond, vais-je y arriver? Ouais, mais faut pas louper le cas. C'est dommage. Oh, Dieu, donne-moi la force, le courage. Oh, l'amour et la grâce, il a donné. À Jésus, moi, je suis abonné. Ouais, mais faut pas louper le cas. C'est dommage. Oh, Dieu, donne-moi la force, le courage. Oh, l'amour et la grâce, il a donné. À Jésus, moi, je suis abonné. Ouais, tu le sais pas trop tard. Il peut encore te changer. Mais n'attends pas le trop tard. Quand il pourra plus toucher, toucher. Je veux te changer. Ouais, mais faut te bouger. Je veux te toucher. Ouais, réveiller le checker. Ouais, le monde a fait des dégâts. Chanter, je le fais car mon Dieu le veut pour sa gloire. Et le samedi, t'as fait la fête. Et pour Jésus, t'as pas le temps. Le monde t'a fait tourner la tête. Revenir à Dieu, oui, dis-moi quand. Merci Seigneur Dieu, tu as fait et tu feras. Oui, des milliers de miracles. Notre bonheur, tu le veux. Je te remercie, Seigneur Dieu. Tu as fait et tu feras. Oui, des milliers de miracles. Oui, c'est mon Dieu admirable. Ce monde m'a sali, m'accepterais-tu, papa? La parole a dit, je suis sauvé. Mais au fond, vais-je y arriver? Et ce monde m'a sali, m'accepterais-tu, papa? Oui, c'est toi qui m'as élevé. Mais au fond, vais-je y arriver? Moi, mais faut pas louper le cas. C'est dommage. Oh, Dieu, donne-moi la force, le courage. Oh, l'amour et la grâce, il a donné. À Jésus, moi, je suis abonné. Moi, mais faut pas louper le cas. C'est dommage. Oh, Dieu, donne-moi la force, le courage. Oh, l'amour et la grâce, il a donné. À Jésus, moi, je suis abonné. Trop de questionnements, trop d'interrogations qu'on se pose dans ce monde, qu'on se pose pour voir si vraiment on pourra arriver au sommet, on pourra arriver réellement à plaire à notre Dieu, à plaire au Seigneur. Effectivement, c'est possible de le faire et c'est possible d'y arriver. Seulement, si tu lui donnes ta vie réellement, tu pourras lui plaire, tu pourras aussi permettre à notre Dieu d'agir dans ta vie. Et donc, chers auditeurs, voici juste les
titre qu'on avait proposé pour vous à l'instant pour l'ouverture de la City. Là maintenant, on va passer à une autre séquence musicale et là, c'est pour la rubrique découverte. Et donc, merci, on y va. La découverte. J'ai un message pour toi. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ma voix t'a en débit. Slam Gospel. Seul dans la chambre, on est comme un enfant dans le sein de sa mère. Pas d'amis, pas de frères. Juste un avenir sur la belle terre, enfin, si on ne naît pas mort-né. Seul dans la chambre, on regarde le film de notre vie en blanc noir. Et oh, des larmes quand on pense à nos déboires. Un léger sourire sur le côté, souvenir de nos victoires. Seul dans la chambre, on veut crier au monde notre douleur. Allume un pétard à 23h59, même si ce n'est pas le 31 décembre. Et laisser son bruit lui dire qu'on va mal, mal, mal. Seul dans la chambre, elle a cru trouver un exutoire. Enchaînée dans les souffrances et les inquiétudes, elle a crié de toutes ses forces. Mais ses cris étaient tellement forts que personne ne l'a entendu. On laisse échapper au comment tu vas des je vais bien qui sont vrais, des conteneurs de mille et un soucis. Dehors, avant d'entrer dans la chambre, j'ai entendu quelqu'un dire que je méritais ce qui m'arrivait parce que j'étais une pécheresse 5 étoiles. Ô Seigneur, je n'ai que mes yeux pour pleurer. Ma faible foi pour attendre ta miséricorde. Car dans cette chambre où j'ai cru trouver gîte et couvert, je me suis retrouvée dans une cage où je n'ai pu crier rage. Je n'ai eu que pour pain mes larmes et à ce concert mes gémissements comme une écrevisse. Restaure mon âme, éternel, restaure mon âme. Oh Yahweh, restaure mon âme, éternel, restaure mon âme. Oh Yahweh, Seigneur. Prends-moi tel que je suis, éclaire tous mes pas, Père. Seul je me noie, oh, oh roi, viens, mon secours dans cette épreuve, apaise mon cœur anxieux. Que ta joie m'inonde, oh, mon Dieu. Comme on cherche un oasis dans le désert, j'étais en quête de la vraie paix dans cette misère extrême. Quand mes espoirs se faisaient moindre, Jésus-Christ m'a tendu sa main et a fait couler en moi des ruisseaux d'amour. Plus rien ne compte quand au pied de la Sainte Croix je m'abandonne. Celui que je confesse me délivre sans cesse des pires détresses, de toute faiblesse. Et même si 77 fois, 7 fois le monde me blesse et me délaisse, je n'aurai pas à craindre ni à m'en faire. Car depuis Ésaïe 53, le verset 5, l'agneau de Dieu m'a immunisé contre toute plaie. Je ne te raconte pas une hérésie, je te parle de celui qui avec frénésie m'a fait revivre quand dans l'ombre de la vallée de la mort mes appuis l'un après l'autre me lâchaient.
et qui m'a dit « Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde » quand j'étais seule dans la chambre. Radio Sabo, la première web radio du Sud Comoé. C'est dans ma chambre que tout a commencé. En une seule nuit, il a changé ma vie de bad gal. J'suis passé à good gal. Maintenant, je marche par la foi et non par la vue. Non par la vue, j'lui ai donné ma vie. Maintenant, je fais partie de la famille de Christ. J'ai le Saint-Esprit et je suis béni. Na 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 na, yeah. Tranquille, je suis tranquille. Il fait de mes ennemis ses ennemis. Tranquille, je suis tranquille. Que milite en bas gauche, je suis tranquille. Tranquille, je suis tranquille. Il fait de mes ennemis ses ennemis. Tranquille, je suis tranquille. Que milite en bas gauche. Puissance de son esprit, je marche avec assurance maintenant. Banguna Banjimi Peba Kimi, la manga Kali Susute. Depuis que j'ai fait confiance à Tata Yahweh, il m'a donné le pouvoir de les commander. Je vais te ratatata, Soki Otocité. Tranquille, je suis tranquille. Il fait de mes ennemis ses ennemis. Tranquille, je suis tranquille. Que milite en bas gauche, je suis tranquille. Tranquille, je suis tranquille. Il fait de mes ennemis ses ennemis. Tranquille, je suis tranquille. Que milite en bas gauche. Aïe 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 nanga, Esaïe Soué. Esaïe Soué. Aïe aïe aïe. Esaïe Soué. Esaïe Soué. Aïe 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 nanga, Esaïe Soué. Loom City, Loom City. City, en voyage au cœur du gospel urbain. Moi je veux aller au ciel. Bloom City, une production de Mister Joy pour un temps dans la présence de Dieu. Bloom City, c'est tous les vendredis de 14h à 15h sur Radio Samo 86.3 FM. Bloom City, la cité du gospel urbain. Vous venez d'écouter la découverte de Bloom City et la première chanson était Larissa, le titre Restore mon âme, et le deuxième titre Miss Ruth qui nous chante Tranquille. Et donc désormais, si vous voulez
Vous écoutez d'autres sonorités musicales, d'autres titres, d'autres, je dirais, ouvrages à caractère pour apaiser votre cœur, pour apaiser votre vie. Tout simplement, il suffit de taper Larissa, plus précisément Slam Gospel, ou soit Miss Ruth, pour aussi écouter un peu plus de sonorités et pour passer, pourquoi pas, plus du temps à mieux réfléchir, à mieux vous habituer à cette nouvelle marche. Je vous propose encore une fois, normalement nous devons être à la rubrique personnalité du Bloom, mais permettez-moi de vous donner encore une autre sonorité. Il s'agit ici du vieux paix, comme on le dit, B. Wright, et il nous chante Remplis-moi, remplis-moi. Yeah. Plus de toi, moins de moi. Plus de toi, moins de moi. Remplis-moi, yeah. Remplis-moi, yeah, yeah. Remplis-moi, mon frangin Big T m'a dit, tu peux pas continuer de retenir en captivité. Christ en toi, t'as pas le droit de rester sans activité. Faut que tu parles à nos frères, faut que tu parles à nos sœurs. Prêt, change l'atmosphère, mais faut que tu parles à nos cœurs. Tu peux pas continuer de te taire et voir des frères se massacrer. Le silence est d'or, certes, mais la parole est sacrée. Y'a plus d'espoir, donc la foi meurt de manière explosive. Alors que mourir pour Dieu consiste à vivre pour Christ. Et vous qui avez Christ, dites-moi où est-ce que vous êtes. Je parle pas de sortir et faire du bruit à base de Jésus vous aime. Je parle de vivre ce que vous prêchez. Car beaucoup font semblant et parfois beaucoup d'autres sont pressés. Même si en apparence tout semble apparaître tel un cadeau. Un fruit qui n'est pas mûr n'est jamais servi sur un plateau. Non, il s'agit pas de faire les beaux gosses et sourire. Ça sert à rien d'être juste né de nouveau. Faut mûrir. Christ est la parole qui peut te restaurer. Quoi que tu fasses aux yeux de Christ, ton péché reste horrible. Et quoi que t'aies fait aux yeux de Christ, tu peux être pardonné. Si t'es sincère dans la foi en Christ, t'auras droit à ta pardonneur. Ne banalise plus le péché, arrête. Car si la grâce surabonde le péché, son but c'est de le faire disparaître. Autour de moi, ça vous croit, tu dois faire des vœux. La prière de moi, tu dois mourir. Il se nomme Big T et B. Wright plutôt, autant pour moi. Oh, j'aime ces deux-là tellement que j'arrive même à penser que l'un est l'autre et l'autre est eux. Et donc, il nous dit « Remplis-moi », une manière de nous interpeller sur notre marche et aussi compter sur le Saint-Esprit pour pouvoir avancer parce que sans lui, on ne peut rien faire. Mais en même temps, il le dit, il y a une partie qui me plaît très bien. Ton témoignage est très précieux, il faut le soigner parce que à défaut de chanter du gospel, à défaut de parler gospel, mais il faudrait également que tu puisses transmettre le message du gospel. Voici pour vous maintenant la toute dernière rubrique de cette émission. Il s'agit de la personnalité du Bloom. Personnalité du Bloom. Personnalité du Bloom, nous recevons tous les vendredis, comme vous le savez, un faiseur de gospel urbain, et cette personnalité-là va nous parler de sa carrière, de sa rencontre avec le Seigneur, et aussi nous édifier, pourquoi pas. Et donc aujourd'hui, nous recevons Alvin, le frère Alvin, qui nous vient d'Abidjan, et il est avec nous, il est présent. Alvin, salut à toi. Salut boss. Comment tu vas? Ouais, il dit boss. Va bien, ici c'est Mr. Joy. Ouais. Mr. Joy. Ouais, ouais. On dit quoi? Ça va bien? Oui, ça va. J'ai fait le chemin n'était pas trop long. Hein un peu. Ah ouais, un peu. Ça va aller. Alors, Alvin, très rapidement, on n'a pas assez de temps. Donc, on va rentrer au tap-tap dans tes affaires, dans tes activités. Et Alvin, à l'état civil, c'est quoi? C'est Kwame Yao Stéphane. Kwame Yao Stéphane. Mais pourquoi Alvin? Bah, Alvin,
Ça signifie ami de tous. Ami de tous. C'est un lien avec la mission de Jésus qui était là pour ceux qui ne connaissaient pas la parole, mais également pour ceux qui connaissaient au fait. D'accord. Et donc, du coup, l'ami de tous, comme Jésus était l'ami également de, tous ces de toutes ces personnes-là, même qui ne connaissaient pas, même qui le haïssaient, qui voulaient même sa mort. Oui. Ouais, c'est super. C'est très fort. Hein? Et à quel moment tu décides de te lancer dans la musique et pourquoi la musique? Bon, avant, je faisais dans le monde d'abord. Ah, tu as fait. Ben, ouais. Bizarrement, tous ceux qui font du bloom, tous ceux qui font du rap gospel ou bien de la musique gospel urbaine, ont toutefois fait le monde avant de venir à Christ. Ou bien c'est partout. On veut dire descendant de Paul. D'accord, les descendants de Paul. Bon, pour ceux qui ne savent pas, Paul, c'est un personnage de la Bible, un disciple, un apôtre, voilà, un apôtre de Jésus. Donc, comprenez par là qu'il est aussi un apôtre et il est venu parler de Jésus. Et bon, c'est vrai, tu as commencé dans le monde, mais avant, à quel moment tu t'es dit, bon, là, c'est le bon moment, il faudrait que je quitte la musique mondaine pour m'attacher au gospel? Bon, ça a commencé lorsque j'étais en team. D'accord. Je devais aller à un concert de DJ Mix. D'accord. Et puis, bon, quand je dormais, j'ai entendu la voix audible du Saint-Esprit me dire. La voix audible? Ouais. C'était comment? Mon fils. Yeah. Ou bien c'était comment? Ah, bon, on n'arrive pas à décrire. C'est comme si on te donne un garant. D'accord. Où tu t'en vas. Tu n'es pas fait pour être là-bas. Tu ne veux pas te voir là-bas. D'accord. Puis, bon. Aussi, il a fait un songe où Jésus était revenu. Le retour de Jésus. Donc, tu t'en as fait? Non, pas ça. Ah, d'accord. Les gens sont partis. Et puis, moi, je suis resté avec le micro en main. Ah, ouais. Ouais, bon, attends, il y a eu un enlèvement. Et toi, tu es resté. Avec mes pendant amis. Ce temps, les autres sont partis. Waouh, voilà. Waouh. Et puis, un autre aussi. Bon, il y a les responsables de l'église qui m'ont demandé de mettre cela au service de Dieu. Ils m'ont donné des conseils. Des conseils, puis, bon, voilà. Les devanciers, tout ça. Oui. Donc, tu as eu des Paul dans ta vie. Et là, tu es le Timothée qui est en train de former aussi peut-être d'autres personnes qui seront aussi des Timothée plus tard. Ouais, tu as pu. Ouais, c'est bien. Il dit, ouais, tu as pu. Non, c'est toi le pur. Moi, je pose juste des questions. Alors, Alvin, tu as dit à l'état civil, Kwame Yao Stéphane. Waouh, Kwame Yao Stéphane. Stéphane, bon, tu vas oublier alors. Il dit D'accord. Et là, ta conversion, c'est là que la conversion a commencé ou c'est là que tu as décidé de chanter pour Dieu? Parce qu'il y a eu la conversion, mais il y a eu aussi l'étape de chanter pour lui. Bon, il faut dire que je suis né d'une famille chrétienne. D'accord. Ma conversion a été réelle en 2018. 2018, mais... C'est en 2019, il a arrêté de rapper pour le monde. Pour le monde, ah, d'accord. C'est tellement fort pour arrêter là, c'est trop difficile. Oui, c'est très difficile, ouais, surtout. Ouais. D'accord, si on doit écouter une chanson de toi d'abord, c'est bon? On va écouter un titre, Jésus t'appelle, et tu vas nous conter l'histoire de Jésus t'appelle. Hein, parce que apparemment, c'est après avoir vu le téléphone de Jésus sur ton numéro. Allons-y pour Jésus t'appelle, Alvin. Jésus t'appelle, Jésus t'appelle, Jésus t'appelle, mon ami, il t'appelle. Jésus t'appelle, Jésus t'appelle, Jésus t'appelle, ma chérie, il t'appelle. Jésus t'appelle, Jésus t'appelle, Jésus t'appelle, mon frère saint, il t'appelle. Jésus t'appelle, Jésus t'appelle, Jésus t'appelle, champion, il t'appelle. Pour venir à Jésus, y'a pas des critères de sélection. Tu te joues le manque of fashion, pourtant c'est le roi de la création. Choco, il veut voir ta réaction, laisse tomber ton affaire d'émotion. Et puis pardon, faut l'écouter, Jésus t'appelle, faut décrocher. Pas besoin d'avoir les belles chaussures, pas besoin d'avoir les vrais habits. Jésus c'est le meilleur cardiologue, il démonte ton cœur. Parce que Saint-Esprit te conduit, c'est un bon chauffeur. Toujours dans ma vie en train de chauffer. Pardon mon ami, faut tout stopper. Qui t'a dit que nous chie n'a pas sa place dans la fête de Jésus? Nous on lance pas ça où on recommande nos soins Jésus. Jésus t'appelle, Jésus t'appelle, Jésus t'appelle, mon frère saint, il t'appelle. Jésus t'appelle, Jésus t'appelle.
t'appelle, Jésus t'appelle, champion. Fais toujours pas les sous, car ce n'est pas la meilleure manière d'avoir les sous. Jésus Christ t'appelle, arrête de prendre tout ton temps et viens au rendez-vous. Même si t'es voleur, même si t'es sous là, il est venu pour te sauver, ouvrir la porte de ton cœur. Même si t'es prostitué, même si t'es drogué, il est venu pour te sauver, ouvrir la porte de ton cœur. Ouvrir seulement, il y aura un changement, il vient simplement pour guider sûrement. Sur humain, la chérie, elle humaine, il n'était pas contre ton raisonnement. Mon ami, ma chérie, la vie que tu mènes là, c'est pas l'amour de le divider, les casiers, des biens, faut laisser tes parties remplies. Jésus t'appelle, Jésus t'appelle, Jésus t'appelle, mon ami, il t'appelle. Jésus t'appelle, Jésus t'appelle. C'est pur, c'est pur, c'est pur. Le message est passé. Jésus t'appelle. Qu'est-ce qu'on doit retenir dans ce contexte? Pourquoi tu as décidé de dire ça? Et puis, bon, est-ce parce que tu as reçu l'appel ou bien c'est quoi? Et c'est à quel moment tu décides de faire Jésus t'appelle? Jésus t'appelle. Parce que c'était un peu difficile de convaincre mes amis aussi qui étaient encore dans le rap du monde. D'accord. Parce qu'ils disent que non, il n'y a pas de succès dedans. Mm-hmm. Du coup, il fallait les amener à comprendre que on n'était pas là pour chercher du succès, mais on est là pour chercher des âmes. D'accord. Donc Jésus t'appelle pour leur dire que eux aussi, c'est mieux qu'ils viennent à Christ pour que les âmes soient sauvées. Mm-hmm. Effectivement. Et donc le message était pour comprendre que même si eux, ils visent le succès, mais le meilleur succès, c'est d'avoir gagné le ciel. C'est ça. Super. Waouh. Ah. Ouais. C'est fort, hein. C'est dur. Donc, le message est fort et c'est pur. En tout cas, cette génération doit réellement comprendre que Jésus est la base. Jésus est la base. Alors, pour toutes ces personnes que tu connais, tu as des amis qui ne sont pas chrétiens forcément ou bien tu traînes tous avec des chrétiens? Là, il y a des amis qui ne sont pas chrétiens. Mais comment tu fais pour les gagner à Christ? Comment tu arrives à gérer sans toutefois qu'on puisse dire que tu es en train de nous juger ou bien un truc, tout ça? Bon, faut dire que le Saint-Esprit a plusieurs manières d'agir. D'accord. Nous, on est que des instruments de ses mains pour faire sa volonté. Mm-hmm. Et puis le reste, c'est lui qui gère. Mm-hmm. Voilà, je dis merci à Dieu parce qu'à travers ce que je suis en train de faire, il y a des amis qui, par la grâce de Dieu, donnent leur vie à Christ. Mm-hmm. Et je sais que ça va continuer. D'accord. Le truc, ce n'est pas de les juger, mm-hmm. c'est de les comprendre. Ouais. Le changement, ce n'est pas d'aujourd'hui à demain. Effectivement. Il faut comprendre la personne. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Après, quelqu'un, on fourre la musique. D'accord, ça avance. Et aussi, tu pouvais faire, par exemple, de l'adoration, de la louange. Bon, quand je parle de louange, je parle de type, par exemple, Ezo Éclat ou les autres groupes. Les directs, tout ça, mais tu as préféré faire le rap gospel, sachant que le rap gospel est un domaine qui est plus attaqué. On parle de d'apparence, on parle de que la musique rap même n'est pas spirituelle en quelque sorte. Qu'est-ce que toi tu peux en dire? Pourquoi forcément rester là? Faut dire que la majorité des jeunes aujourd'hui, ils aiment le rap. D'accord. Voilà, quand on voit tous les styles musicaux qui sortent mm-hmm. dans le monde, aujourd'hui on parle de rap, ils voient qu'ils dominent. Oui. Mais si on laisse le rap, ils voient dans le monde, dominer le monde, vous allez voir qu'il y a même des frères en Christ qui vont danser un peu qui le maïmoun, hein, ouais. le style qui vient ouais, de sortir. Ouais. Le paya. Donc, c'est que ça, ils disent non. Voilà, Donc il faut que nous aussi on se laisse conduire par le Saint-Esprit mm-hmm. pour faire sortir des vraies chansons mm-hmm. à travers le rap gospel. Ils vont amener cette jeunesse aussi à comprendre que Christ fait de grandes choses avec ceux qui se consacrent. Mmh. C'est un peu ça. Et donc, d'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour ce message. Je pense bien qu'on aurait voulu vraiment avoir des jours pour parler de ta ouais. carrière, tout. Mais là, maintenant, si je te pose une question, quels sont tes modèles dans ce domaine-là, dans ce domaine de la musique, que ce soit en chanson ou bien en rap, tout. Mais tu t'inspires de qui? Je sais que tu t'inspires du Saint-Esprit, ça c'est sûr. Voilà, mais quand tu regardes, peut-être si tu devais choisir un mentor qui devait te conseiller et puis aussi à travers son talent, qui tu vises plus? Je peux citer plusieurs ou bien c'est un seul? Deux. Deux. Je dirais KS Bloom. KS Bloom, oui. L'icône de la jeunesse d'ailleurs. Ouais, et Big T. Big T. Ouais. Le vieux père. D'accord. En tout cas, c'est déjà bon d'avoir des mentors. Et aussi, l'objectif, c'est de gagner des âmes. L'objectif, c'est pas de faire des vues. Voilà, comme beaucoup de personnes pourraient le dire.
Et si tu as un message à donner à des personnes qui nous écoutent, mais qui n'ont pas encore connu le Seigneur, des jeunes comme toi, ou bien des enfants comme toi, ou même des grandes personnes, qu'est-ce que tu peux dire? Ce qu'ils doivent comprendre, c'est que le fait d'être arrivé sur terre nous donne droit à deux destinées, d'accord, deux destinations, mm-hmm, soit l'enfer ou soit le paradis. Okay. Et pour aller au paradis, il y a un passeport, c'est Jésus-Christ. Mm-hmm. Quel que soit le temps qu'on fera sur cette terre, mm-hmm, un jour on va mourir. Ouais. Mais quand on va mourir, où est-ce que notre âme va aller? D'accord. Et pour celui qui décide que son âme soit au repos, mm-hmm, qu'il choisisse Jésus-Christ. Super. Les passions de ce monde vont finir, vont... ça c'est vont facile. Passer, parce ouais. que avant que nous on arrive, il y a des choses qui existaient. Mm-hmm. Aujourd'hui, ces choses-là n'existent plus. Mm-hmm. Ce qui veut dire que les choses passent, ouais, mais la parole de Dieu demeure. Mm-hmm. Donc il faut que nous fondons notre foi en Jésus-Christ qui ne va jamais passer, mm-hmm, pour aller au paradis. Super. Ouais. Bon message, hein? J'ai capté. Et donc, je canalise ma foi sur Jésus parce que moi aussi je vais aller au ciel. Voilà. Et c'est donc, merci beaucoup, Alvin. Normalement, on a fini, mais tu vas devoir donner un contact si des personnes souhaitent t'inviter ou t'avoir sur des scènes pour des prestations, pour des messages aussi, pourquoi pas, et même des collaborations. Ouais, c'est le 07 mm-hmm. 77 D'accord. 57. Mm-hmm. 63 38. On répète. 07 mm-hmm. 77 57 63 38. Merci beaucoup. Ton mot de fin, Alvin. Et on va terminer avec le titre Tout est accompli. Le mot de fin. Ouais, le mot de fin. Que Dieu bénisse El Joy. Yeah, yeah. Qu'il bénisse la radio Samo, qu'il bénisse son équipe. Mm-hmm. Et qu'à travers cette radio, il y ait de grands talents. Yeah. Qui puisse être révélé, mm-hmm, et qu'il y ait également une grande conversion des âmes. Amen, amen, amen. Ouais. Alors que Dieu te bénisse, merci, amen, et bienvenue à Bloom City. Voilà, c'était, chers auditeurs, pour vous, Bloom City, l'émission qui vous permet de vous connecter au royaume, la cité du gospel urbain. Ici, on mange Jésus, on vit Jésus, car on a des âmes à gagner. Portez-vous bien, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour un autre numéro de Bloom City. Mais je vous laisse sur ce titre de Alvin, Tout est accompli. Tous pour Christ. Jésus, dis-moi ce qui te fatigue, ce qui te fatigue. Est-ce que tu connais l'importance du sacrifice de Jésus? Sacrifice de Jésus. Jésus a tout payé, il a tout payé. Donc faut pas te laisser intimider parce que mon ami, tout est accompli, 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 tout est accompli, 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 tout est accompli, 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 tout est accompli, 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 tout est accompli. Souvent nous périssons par manque de connaissance, ça c'est la vérité. On allait dominer ce monde si seulement on connaissait notre identité. Sur la terre il y a deux camps, le camp du mensonge et le camp de la vérité. Donc si nous sommes dans la vérité, arrêtons de s'allier et bafouer notre dignité. On est chrétien pas des figurants, mais souvent on déconne en figurant. Est-ce que nos amis sont courants de la puissance de Jésus, donc ils viennent en courant? Je lui ai donné ma vie en garant, non Satan faut pas t'amuser, c'est un garant. Je me suis accroché à Christ depuis qu'il a accepté de porter mes fardeaux. Papa sans toi pas de solution, face à toute chose la solution. Comment comprendre que ce monde est vraiment perdu, pourtant tu y as le chemin. Papa comprend pour son fils, ton petit démon faut désirer, tu comprends. Je suis le serviteur du grand boss, non c'est de sa volonté que je dépends. Papa sans toi pas de solution, face à toute chose la solution. Comment comprendre que ce monde est vraiment perdu, pourtant tu y as le chemin. Papa comprend pour son fils, ton petit démon faut désirer, tu comprends. Je suis le serviteur du grand boss, non c'est de sa volonté que je dépends. On est sauvé pour le service, champion, c'est pas pour rester silencieux. Toi tu es chrétien et puis tu vois viande dans sauce, sérieusement dit c'est louche hein. Je dis, dis-moi ce qui te fatigue, ce qui te fatigue. Est-ce que tu connais l'importance du sacrifice de Jésus? Sacrifice de Jésus. Jésus a tout payé, il a tout payé. Donc faut pas te laisser intimider parce que mon ami, tout est accompli, 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 tout est accompli, 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 tout est accompli, 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 tout est accompli, 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 tout est accompli.
Il ne s'agit plus de parler. Ta vie sera dévoilée. Papa m'a dit qu'il me valide. Donc son esprit me conduit toute ma vie. Faut que tu te décides. Tu n'es pas n'importe qui. Faut que tu suives tes limites. Loom City. Loom City, en voyage au cœur du gospel urbain. Moi je veux aller au ciel. Loom City, une production de Mister Joy pour un temps dans la présence de Dieu. Loom City, c'est tous les vendredis de 14h à 15h sur Radio Samo 96.3 FM. Loom City, la cité du gospel urbain.